arrivé le 25 novembre 1944. Le char que nous apercevons est une réplique du char Cornouailles du lieu de Saint-Christophe et placé sous l'invocation de Saint-Denis et Saint-Christophe, patrons de la ville. Le monument quand même, œuvre sculptée en 1884 par Antonin Mercier, est érigé sur la place d'Armes. Il perpétue le souvenir de France, parfaitement conservé du second système défensif imaginé par Vauban. Nous contournons actuellement les bastions 20 et 21, aménagés par Vauban pour protéger la tour des Bourgeois. De cet endroit, le visiteur a une vue admirable sur le front nord des fortifications qui, parfaitement conservé, permet de comprendre l'art de Vauban, dont le système de fortification est adapté à la configuration du terrain. Ici, l'utilisation du relief entre la tour des Bourgeois, invisible. Au sud, conçu comme un hôtel particulier de style Louis XIII, avec ses grilles monumentales, la préfecture est l'œuvre de l'architecte. Au sud, conçu comme un hôtel particulier de style Louis XIII, avec ses grilles monumentales, la préfecture est l'œuvre de l'architecte. Terrain offert par la municipalité. L'édifice bleu, qui la jouxte, accueille depuis 1986 les étudiants de l'École supérieure des technologies et des affaires. Jadis, à cet emplacement, se trouvait un des trois établissements de bains-douches que comptait Belfort. Né d'une collaboration entre la ville et la caisse d'épargne, droite, l'octroi. Cette maisonnette de briques roses était le lieu de passage obligé des marchands qui y faisaient peser leurs produits avant de payer une taxe, l'octroi, perçue par la ville. Le nouveau statut du territoire de le marché couvert est une belle réalisation d'architecture métallique, alliant des matériaux variés comme l'acier, le verre peint, la brique et la céramique. La maison Schwartz et Meurer, spécialiste dans la fabrication de serres, kiosques à musique, marquises et vérandas, a notamment réalisé les grilles du Grand Palais à Paris.